Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Comment allez-vous? Comment va tout le monde? Est-ce que... Comment vas-tu, Léo? Eh ben, je vais très bien, et toi, Théo? Non, c'est bizarre. Est-ce qu'on nous entend un peu? Ici. Hello, Eri, comment ça va? Alors. On se retrouve après 2 semaines d'attente. Ça va super, merci. Ça va très, très bien. Très excité. Ah. Hello, Rifi. Waouh. On a beaucoup de monde. Oh, il y a un message pour toi. Bon, je dis, oh, merci. Il est tout content. Ouais, non, bah, je vieillis plus, quoi. C'est vrai. Je vais changer l'atmosphère, excuse-moi. Et l'autre, Rodrigue. Oh. Alors. Mais oui. Ça fait 2 semaines maintenant qu'on s'est vu, qu'on vous a laissé sur la version 0062. Hello Skimousse, comment ça va? Hello Skimousse. Ça fait du coup pas mal de temps qu'on vous a laissé, enfin ça fait 2 semaines, hein. Voilà, on tient le rythme de 2 semaines à chaque fois. Et du coup, que de nouveautés pour cette nouvelle mage, n'est-ce pas? J'arrive. What's new? Ah oui, on enchaîne direct. Bon bah écoute, je pense que... Je te laisse parler. Bah, alors what's new, concrètement, allez, bien. On a fait quelques modifications. Allez, bon. Alors on a fait quelques modifs, oui effectivement. Alors, à savoir qu'on a une... On va vous expliquer, on va être franc, on a une grosse deadline pour le fin mars. Ouais. On a une très grosse deadline pour fin mars. Et en fait, comme on vous avait dit la dernière fois, on a besoin et on a envie d'intégrer du coup le plus rapidement possible le multijoueur. Mais pas que. Parce que ça, c'est genre ce qui va arriver du coup fin mars. C'est un gros bout quand même. C'est un gros bout, mais pas que. Du coup, pour avoir du coup ce multijoueur et tout ça, il nous faut des boss pour faire le multijoueur. Et du coup, on a commencé à retravailler sur les boss comme prévu, comme ce qu'on vous avait prévu du coup il y a 2 semaines. Et du coup, notre cher Théo nous a concocté un nouveau boss, un nouveau boss. Un rework de boss. Il n'est plus si nouveau que ça maintenant. Exactement. Du coup, de Dalag. Alors, on va voir ça ensemble ce soir. On aura des petites. On va voir ça ensemble. Mais également aussi, du coup, donc ce boss, ça va impliquer du coup beaucoup de choses, notamment aussi la remise en titre du champion des 2 semaines. Oui, c'est vrai que c'était Lauriane. C'était Lauriane. Premier champion, la Maresseuse, et deuxième championne, Lauriane. Lauriane, exactement. Et du coup, pour cette troisième semaine. Ouais. Ah bah écoutez, on a mis un petit timer in-game. Et du coup, maintenant, vu qu'on a refait Dalag, on s'est dit que quoi de mieux que du coup mettre le champion un peu en bataille. Et celui qui a le screen avec Dalag mort à côté de lui, le plus rapide, sera nommé champion ou championne, ça dépend parce que je sais que Eury c'est très très... Ouais, Eury on compte sur toi. Ah, Eury on veut que tu sois championne, donc t'es notre favorite là. Mais on sait qu'il y a plusieurs personnes qui se débrouillent très bien. En tout cas, là, Dalag, il va vous filer du fil à retordre. Hein. Vraiment, il... Pouf. Alors voilà. Oui, du coup, pour être plus concret, en fait, c'est la personne qui terminera Dalag le plus rapidement. Qui se verra attribuer le titre de championne. Du coup voilà, on va voir ça. Alors autre chose, qu'est-ce qu'on a fait encore ces 2 semaines? Donc on a refait du coup un peu, alors grâce à Mimi, une de nos stagiaires, on a commencé à remettre à jour l'HUD également. On a retravaillé aussi sur le, enfin on a mis en place la cinématique qui n'était pas bien mise la dernière fois. Qui fonctionnait chez nous mais pas chez vous. Voilà, c'est ça. Et du coup à côté on travaille du coup comme on vous l'a dit beaucoup sur ce qui va arriver en fin mars. Donc en fait on aura plein de petites choses qui vont arriver, mais du coup petit à petit jusqu'au fin mars où vraiment on prévoit d'avoir une très très grosse mise à jour fin mars. Voilà, pour vous tous, même un peu avant, hein, dans l'espoir, ce sera avant. Bah, en théorie, on va pouvoir montrer d'abord ce qu'on a fait cette semaine, et on vous parlera du coup des 2 semaines qui vont venir. Comme ça, vous allez... Enfin, si vous regardez maintenant sur les 4 dernières semaines, mm-hmm. depuis qu'on a commencé vraiment à s'imposer ce rythme de toutes les 2 semaines, une nouvelle mise à jour, qui est un rythme vraiment très soutenu et
est très lourd, on va pas se mentir, hein, parce qu'on a aussi une vie à côté, on essaye en tout cas, on fait ça. Oui. Mais du coup, c'est trop cool, on est trop content de pouvoir proposer des mises à jour et de pouvoir autant kiffer le jeu, donc pour nous, c'est un petit plaisir. Mais du coup, ouais, vous pouvez voir que si on retourne 4 semaines en arrière, le jeu avait déjà une gueule différente. Hein. Rien qu'en termes de level design, oui, le donjon fait, il a énormément évolué. En termes des mécaniques, il y a eu plein de nouveautés. Et là, en termes d'ajouts, il y a de plus en plus de feedback, il y a de plus en plus de cinématiques. Enfin, tout arrive de plus en plus et on va faire que vous régaler. Donc, suivez-nous bien parce que vous allez kiffer. Exactement. Ouais, voilà. Du coup, bah écoute... qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore cette semaine? Mine de rien, bah en fait, gros travail sur Dalag hein, pour toi. Moi, du coup, c'est des choses qui vont arriver un peu plus tard. Ouais, il travaille sur les prochaines maps. Il est très modeste, il n'en parle pas, mais il travaille sur deux nouvelles maps actuellement. Bon, on peut pas trop vous les montrer, mais... On a travaillé sur l'histoire aussi. Oui, on a réécrit toute l'histoire, enfin, une partie de l'histoire, ouais. Au propre. Ouais. Et qu'on va commencer à implémenter prochainement. Du coup, on a vu dans le Google Form, pour ceux qui ont répondu, que le lore était important. C'était le lore qui revenait le plus souvent, ouais. Alors, un peu, c'était assez partagé, hein, en fait, ça dépendait les avis. Ouais. Mais on comprend que le lore, c'était quand même quelque chose, et l'histoire que, alors, qu'on vous a promis, mais forcément, étant donné qu'on est encore en phase de développement, c'était normal que du coup, on ait des retours sur l'histoire qui soient un peu plus négatifs, étant donné qu'on ne l'a pas encore implémenté. Mais il est là, il existe. il est vivant. Mais voilà, du coup, on va remettre tout ça en place, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on veut que ce soit fait aux petits oignons et qu'en fait, on vous offre... le maximum de choses d'un coup et pas petit à petit en fait, ou bien si c'est petit à petit c'est vraiment fait de manière de telle sorte que ça juste vous tease un peu et que ça vous laisse pas trop en mode j'ai rien quoi. On veut que tout ait réellement une importance et une justification, on veut pas vous balancer quelque chose et que nous-mêmes on n'ait pas les réponses. Exactement. Pour ça on prend un peu de temps sur l'écriture, mais on espère en tout cas que l'histoire, quand vous l'aurez, bah vous allez l'apprécier. Et surtout qu'elle vous fasse autant vibrer que nous, parce que nous, pour l'instant, enfin, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi... Moi, j'adore notre histoire. Ne perdons pas plus de temps, montrons... Voilà, montrons non, mais du coup, oui, tout à fait. Faisons le switch cam. Et là, on peut parler en même temps. On peut parler en même temps, ouais, ce qui est fou. Alors voilà, du coup, le nouveau patch note... Alors du coup, c'était pas le bon patch. J'ai été minimaliste sur le patch note. Alors voilà, bon, ça va. Mais tu remarqueras quand même que j'ai mis deux trucs à toi et un seul truc à moi. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Au final, en fait, c'est que quand je l'ai écrit, je me suis dit, en fait, on a fait quoi? Alors, Dalag, les lights. Allez. Le crédit n'a pas changé. Alors ne tardons pas. C'est parti pour la cinématique. Et elle fonctionne. Elle fonctionne vraiment, même pour vous, dans cette nouvelle build. Exactement. Et elle va être très légèrement modifiée pour que ce soit d'une meilleure qualité. Alors, je te propose... je commence à faire une run. Le timer a déjà commencé. Tu veux jouer la même ? Elle est pas penchée. D'accord. Mais du coup, je propose de faire une run donc, pour Dalag. Mais bah, de toute façon, on ne jouera que pour Dalag. On ne jouera que pour... Enfin, on peut montrer le reste du donjon, mais il a pas... Il a pas changé depuis. Alors... Je crois qu'il y a juste un tout petit problème de texture à un moment donné, mais non. Allez. J'ai perdu. Allez, qui dit allez. Tu veux pas dégainer? Si.
La cinématique est à refaire. On sait que c'est pas la bonne arme et on sait qu'il y a une hache qui vole. Mais vous inquiétez pas, ça referme la cellule, game over. Alors voilà, Théo, je te laisse parler du coup de cette nouvelle mise à jour. Dalag a plusieurs compétences. Pour l'instant, je vous dirai pas le nom du jeu, c'est aussi un peu découvrir par vous-même. Mais concrètement, donc là, on a pu voir une de ses premières compétences. Si jamais vous essayez de fuir pour prendre une petite potion, Dalag va littéralement vous sauter dessus. Donc sa deuxième compétence, comme on vient de voir, lorsque vous êtes un peu loin, en fait, toutes les à peu près 30 secondes, Dalag va faire des colonnes qui vont vous envoyer des petits pics. Si vous êtes sur le chemin de ces pics, plus vous en coûterez, plus vous en tarifs. J'en ai marre de faire ces allers-retours pour nourrir cet ogre crasseux. Oui, du coup, la deuxième compétence, comme on a pu le voir, et c'est là où Léo est mort, malheureusement, c'est du coup, Dalag fait des colonnes, il en fait 4 pour être précis. Sachant que moins Dalag a d'HP, moins le cooldown de cette compétence est long. Ouais. Ah ouais, ça marche très bien ça. C'est fou, dis donc, tu donnes quand même beaucoup d'infos pour battre Dalag. Ah pardon, il fallait pas que je le dise ça. Non, bien sûr que non, mais du coup, ceux qui sont là le seront du coup. Bah attendez, là on vous a dit que deux de ses compétences, qui vous a dit qu'il y avait que ça. C'est frais. On l'a pas bien vu, mais vous allez voir, pour tous ceux qui sont présents, on va vous donner un petit tips. Un tout petit tips. Alors, bien évidemment, on va régler ça, mais je sais de quoi il parle. Ah bon? C'était peut-être pas ça du coup. On a des gouttelettes. Oui, c'est ça. Ah bah oui. Bah c'est bien comme... Oui, mais on va l'améliorer. Oui, que ce soit un petit peu plus visible. Aujourd'hui, c'est un tips. Oui, voilà. À terme, ce sera plus un tips. Pro tips. Ok, pro tips. Désolé, les infos. Ouais, pro tips. Regardez en dessous de la barre bleue, donc de Leto. Il a une barre bleue, donc c'est sa future barre de mana. Eh bien, s'il se prend un coup de Dalag, il a une capacité. Il a une capacité passive. Qu'est-ce que c'est, sa capacité passive? Bah, Léo, je te propose. Alors, le challenge pour moi, c'est d'y arriver le plus rapidement possible. Misérable insecte! Ah bah... Vous n'avez aucune chance! Aïe 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 aïe! Oh là là! Tu veux pas prendre une potion? C'est pour les faibles. Bah, tu devrais quand même te soigner. Vas-y là. Reste tranquille, salarin. Voilà. Ok, donc quand Dalag a 100% de sa rage, donc la barre jaune en dessous de Dalag, il fait une compétence qui va vous attirer vers lui. Et lorsque vous êtes très proche, et ben, il va relâcher toute sa haine. Là, on peut voir en dessous de la barre bleue du coup de Leto, il y a des petites gouttelettes de sang. Et à chaque fois que une gouttelette disparaît, vous allez perdre. Et à chaque fois du coup que vous allez faire des roulades ou que vous allez essayer de sprinter, les gouttelettes vont augmenter. Voilà, pro tips. Voilà, donc bon courage. La rage de Dalag augmente à chaque fois que vous lui donnez des coups. Mais du coup ça m'inspire tout ça. Je vous en rendrai. Oh bah, c'est parfait. J'en ai marre de faire ces allers-retours. J'essaie. Ok. C'est moi qui suis grand maintenant. Mais tu sais, je suis peut-être le développeur de Dalag, mais je suis tout aussi nul. Ferme la cellule! Pas la peine, celui-là doit être encore depuis bien longtemps. Oh, merci Zolrek. Alors, je vais pas lire tout ton message, mais je suppose que c'est Zarkel. Non? Non. C'est pas Zarkel. Excuse-moi. Il s'appelle Zarkel. Vous avez effectivement. Excuse-moi, Zolrak. Bah merci beaucoup, Zolrak. En tout cas, ça fait plaisir. Ok. Cette fois-ci. Personne ne veut pas de voix de plus. Alors, ne t'inquiète pas, Eurydice. On a déjà prévu la build juste après le live. On l'envoie par mail. C'est prêt. Pour une fois. C'est organisé. C'est organisé, c'est beaucoup plus...
En fait, juste le champion, ce sera la personne qui arrivera à battre Dalag. En que... premier, en fait, le timer il sert à rien. Ouais, ouais, c'est juste. Si vous arrivez à battre Dalag, le premier qui arrive à le battre, c'est. Voilà. Après, on peut très bien le dire que pour ce challenge, celui qui a le timer le plus bas est champion. Comme ça, on le laisse en permanence. Oui. Comme ça, on force les champions à se continuer à s'entraîner dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ok. Bon, non, le timer reste là, du coup, mais c'est. Ok. Le plus dur, c'est misérable insecte. Dès que t'as le saignement, c'est impossible. Ouais. Mais non. Non. Je l'ai esquivé, mais d'une manière. Ah, de la brigade, d'accord. Autant pour moi, Zolrak. Mais ça fait plaisir ton message. Oui, Zolrak, il me semble que tu es. Non, non. Tu étais un des membres du staff. Belle esquive, bah, tu vois, non, mais tu vois, en fait, en tant que développeur, c'est beaucoup trop facile ce jeu. Voilà, je me sens. Ouais, j'ai même pas. Ouais. Ouf. À l'aide. Alors, le premier timer est mis à. Allez, à 107 secondes. Et oui, c'est trop 107, simple. C'est 107 trop simple. Secondes. C'est trop simple. Je me suis mis dessus. T'étais quand même très bien. Je veux clipper ça. J'étais pas bien. 107 secondes pour le premier record. Essayez de battre le 107 secondes. Uri, elle est ok. Au taquet. Okay. Ok, 107 secondes, ok. Ok. Challenge accepted. Bon, du coup, maintenant, c'est ton challenge à toi de Ah, mais tu veux pas continuer? Ok. Ah, pardon. Vas-y, je t'en prie, on peut parler des autres choses qui vont venir et tout ça. Ah, bah continuons. Alors, du coup, Hello Panda! Tu as mis la lumière sur le perso parce que je la vois pas. Je l'ai retiré parce que du coup. D'accord. Pour cette bulle, elle serait pas. Oui, non. Mais elle y est, je peux le prouver. Non, t'es. Du coup, voilà. Alors, oui, du coup, l'environnement a un peu changé, je crois. J'avais vu un message tout à l'heure. Oui, Ri a dit que l'environnement avait changé. L'environnement a un peu changé, effectivement. Le donjon est beaucoup plus profond et on a quelques petites histoires. Les orques se sont un peu. Rebellés. En fait, note un peu à ça, c'est surtout que, en gros, après l'événement de Noël, on s'est rendu compte que le donjon était, et comme on a eu des retours effectivement en plus de ça, était quand même très vide. Du coup, il y a des problèmes encore avec les. Ouais, non, mais c'est qu'il est pas censé pouvoir monter, donc il a pas d'animation pour tomber. Ouais, je vois ça, mais c'est les sorcières, ils vont au bûcher. Mais oui, du coup, le donjon a un peu changé. La salle est fermée aussi, la salle secrète. Ah, je peux plus y aller ? Non, elle est fermée. Raison d'intégrité, j'ai oublié d'enlever la fée. Mais c'est pas grave, ceux qui l'ont pas trouvé, vous pouvez la chercher encore un peu. Yes. Ah, parce que Eury, pour l'instant, voilà quoi, t'as pas trouvé la fée. Ouais, t'as pas joué, hein. qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, du coup, oui, l'ogre est toujours aussi monstrueux. Dora est facile maintenant. Dora est très facile, ouais. Bravo le bug en plein live. Il y aura. Alors, il faut savoir qu'on est en plein développement. Du coup, des bugs, ça va arriver encore et encore. Du coup, malheureusement, pendant un certain moment, on aura encore des bugs. Mais c'est normal, pour l'instant on n'a pas sorti le jeu, donc c'est une excuse tout à fait valable. Oui, finalement. Puis au final, il y a certes certains bugs, mais même les gros studios ont des bugs, donc au final... Ouais, ne parlons pas de Cyberpunk. Alors du coup, du coup voilà, non mais quoi d'autre, de quoi je voulais parler Oh, il y a un problème de PC chez Eurys. Oh, c'est embêtant ça. Alors du coup sur la suite un peu du programme, on pourra. Alors du coup bien évidemment qui dit rework de Dalag dit bossant chez Ubisoft, je comprends. Voilà, c'est. Même à Ubisoft, il y aura des problèmes partout. Hein, on peut pas. Malheureusement on n'est pas Dieu tout puissant, on peut pas tout prévoir non plus. Non mais on est des monstres. Mais on est des monstres, on va montrer le moins de.
Il y aura moins, il y aura pas de temps. Oui, du coup, qui dit rework d'Alag dit forcément des reworks aussi de Doura et de l'ogre. Donc on a déjà réfléchi à ça. Tout est déjà plus ou moins prêt, enfin, sur papier en tout cas. Il faudra juste les mettre en place, mais étant donné que, comme on vous l'a dit, on veut mettre en place rapidement le multijoueur, du coup, ça, peut-être que le multijoueur va arriver avant, du coup, les reworks des deux autres boss. Mais tout est prévu, tout est acté. Bien évidemment, c'est une boutade. Décaté, Rodrigue. Nous ne sommes pas susceptibles, ne vous en faites pas. Si vous aimez pas le jeu, vous êtes banni. Voilà, c'est ça. Vous êtes pas nos potes, en fait. Ouais, c'est ça. Vous soutenez pas le projet, pourquoi on vous parlerait? On rigole, bien évidemment. Oui, mais, bien sûr. Mais voilà, du coup, on va beaucoup travailler, du coup, sur les semaines qui suivent, sur le multijoueur. Oui, bah, le multijoueur, en théorie, devrait arriver, je pense, d'ici... Je ne veux pas donner de date, parce qu'après, ça va me retomber dessus. Je me tais. Ouais. On peut voir la fée, du coup. J'étais sur le point de spoil et je me suis dit non, il y a des gens qui savent pas où aller. Ah, mais je vais peut-être parler trop vite, du coup. Alors, le multijoueur, on en a parlé un peu déjà il y a deux semaines, mais on peut en reparler un peu rapidement aujourd'hui. Donc on va prévoir du coup différentes classes. Les joueurs ne seront pas tous à la lance ou à la grosse épée. Et voilà, Uri, tu vois, elle a noté cette phrase. Ouais. Peut-être qu'elle est pas loin. Peut-être. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous avons prévu après? Qu'est-ce que nous avons prévu après? Il y avait que Dala qui existait. Dans ma tête, il y avait que Dala qui existait. Ok. Il est où, je suis mort? Oui. Alors, tu arrives Dala et tu arrives pas à Doura. Parce que Doura, elle est nulle. Doura, elle est trop dure. Doura, elle est dure. Ouais, moi je suis développeur, je suis pas un humoriste. Hein. mais voilà, du coup, oui, le petit joueur, il va être. On va travailler là-dessus, on aura des petits serveurs, tout ça. On va faire en sorte que vous ayez une bonne expérience de pour jouer, hein, tout simplement au jeu. On va essayer en tout cas. Voilà, et du coup, avec ce qui va arriver, du coup, bien évidemment, les classes. Est-ce que j'oublie quelque chose sur le multijoueur? Bah, le multijoueur devrait arriver pas dans deux semaines, peut-être pas dans quatre semaines. Alors du coup, ce qu'on veut essayer de vraiment vous faire, c'est vous donner une version qui est stable en fait d'entrée de jeu sur le multijoueur. C'est ça. Du coup, ça prendra le temps que ça nous prendra, mais comptez forcément avant fin mars. 31 mars, on peut l'annoncer, hein. Concrètement, le jeu multijoueur avec quatre classes et des compétences. Ok. Et bah, ce sera fait, ça, ce sera comme ça. Oh, bah, c'était pas clair? Ah bah si, tout à fait, ce sera comme ça. Autre chose, du coup, alors on en a parlé un peu rapidement avant, mais on le savait déjà tous les deux. C'est les différents modes qu'on aura aussi dans les boss, on vous en a pas trop parlé, mais là vous voyez du coup une première difficulté. Pour les boss et pour le donjon, mais on prévoit, et ce sera mis en place plus rapidement qu'on le pense, mais différents modes pour les boss, du coup en passant du mode normal au mode extrême et au mode sadique, pour ceux qui jouent un peu FF14. Et ça rajoutera aussi des compétences. Et ça rajoutera, bah du coup oui, ce qui implique du coup différents modes, ça implique du coup une difficulté donc différente et des stratégies un petit peu plus poussées. Ce sera pas aussi simple que Dalag qui est là. Alors vous pourrez me dire, mais Dalag il est pas simple là, Léo. Il a été réalisé en 107 secondes par notre développeur préféré. Je dis pas, mais c'est toi qui es la dev, du coup tu sais ce qu'il faut faire. Ouais. Mais voilà. Tu l'as toujours pas réussi, toi. Ok. Tiens, prends ma place. Mais de toute façon, tu arriveras pas en 107 secondes, il faut que tu recommences la game. Ouais, c'est vrai. Ah, du coup, pendant que notre sound designer préféré. Je vais répondre aux questions. Pour l'instant, il n'y a que celui-ci où le premier niveau en Nestor et Clarine est encore présent. Alors pour l'instant, on a complètement. T'as oublié là-haut. Bah non, je veux remettre le timer. Ah. Alors du coup, pour l'instant,
Le niveau avec les ruines que tu as vu à la Paris Games Week, il n'existe plus, on l'a complètement supprimé. En fait, depuis la Paris Games Week, Zolrak, vu que c'est vrai que ça fait longtemps que on t'a pas vu, en fait, on a complètement changé la directive du jeu. On a revu tout le gameplay concrètement et on est reparti plus ou moins de zéro. On a réécrit, l'histoire est plus ou moins la même, on l'a un peu modifiée et améliorée surtout. Par contre, le gameplay, on est reparti sur un truc beaucoup plus dynamique et Dungeon Retry, beaucoup plus avec la mécanique des boss MMORPG qu'on n'avait pas à l'époque. Et vraiment, du coup, maintenant, on est sur une sorte de un peu, un donjon crawler avec des boss MMORPG, un truc un peu comme ça. Tout à fait, ouais. Ah, c'est gentil. Et ouais, on chronomètre notre sound designer préféré. On va voir si il arrive à battre mon record. Record, voilà, qu'on peut mettre. On peut mettre le premier record. Pour l'instant, c'est moi le champion. Pour l'instant, c'est toi le champion. Personne n'est champion tant que vous n'avez pas battu ce record. Oh, ça va être dur. Personne va y arriver. Non, j'annule ce que j'ai dit, personne va y arriver, ça va pas être fun. Le champion va rester 3 ans pour moi. Oh, personne va y arriver, je suis sûr. Moi franchement, j'ai confiance en Eury. Eury, elle a même pas eu le temps d'écouter ta phrase, elle est en mode si, t'inquiète. Ouais, voilà, tu vois. Moi personnellement. Eury, c'est ma championne, TKT, elle va te le boucler, pas de problème. Ok, bah là regarde, il te reste à peu près 70 secondes. Facile. Maintenant 70 secondes, vas-y. Regarde, hop, esquive. Ok, fais gaffe, t'as les gouttelettes. Donc on peut voir les gouttelettes là, hop, un tic. Misérable insecte. Hop, un autre tic. Et tu sais qu'est-ce qui serait dommage? C'est qu'il fasse les colonnes là. Il va pas vraiment prendre la chance. Vous ne valez rien. Viens. Vous n'avez aucune chance. Allez. Non. Talak ne fait jamais de cadeau. Ok, ça va. Excuse-moi, je suis pas sûr, mais je crois que t'as une deuxième chance. Non mais, après, c'est pas grave, tu sais, ce qui compte, c'est de participer. Voilà, c'est le credo chez Agency. C'est bien, t'as essayé. C'est le tryhard comme une grosse dégueulasse. MDR, nous ne lance pas de défi, on va tryhard. Mais j'attends que ça. S'il vous plaît, prouvez-moi que j'ai tort et battez mon timer, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, faites-le. Ah ouais, s'il vous plaît, je demande que ça. Moi aussi. Oh, mais Zolrak, j'ai pas vu, tu nous as follow. Ah oui, bah oui. Ça c'est pas mis. Ouais, désolé, merci beaucoup pour le follow. Merci. Et ça fait notre centième follower en plus. Oui, c'est vrai, on a maintenant 100 followers. Merci beaucoup, félicitations à tous. Attends, la build. On va vous donner la build juste après. Ouais, juste après le live, on l'envoie par mail pour tous ceux qui nous ont soutenus sur Ulule. Ok, je retry. A savoir que... Bah en fait, c'est la première fois que je try là. Oui, c'est la première fois que tu vois toi. Ouais, c'est la première fois que je le vois. C'est pour ça qu'il a pas encore de son. Oui, c'est vrai. Mais je pense que la semaine prochaine, pas dans 2 semaines. Ah ouais, non, bah même en soi, hein, même si j'arrive à le finir là dans les 2 semaines rapidement, ça va être la première chose à faire, ça va être une petite match qu'on va vous faire. À la limite, si c'est que ça, on partage un build. On refait un petit build, ça va faire la 7. Comme c'est ça, semaine, en fait. Hein. Il y a eu la 6-0, 6-1 et 6-2. C'est ça. Mais du coup, aussi, il faut qu'on parle des goodies. Exact. Parce que du coup, on en parle peut-être pas assez. Viens par là. Non, je veux pas venir. Mais concrètement, les goodies, pour faire une toute première. Tu vas regretter de m'avoir croisé. C'est dur de comprendre ça. Non mais j'ai repris 5. J'ai repris 5 gouttes. Voilà, tu ne fais jamais de trappe. Le saignement d'actif et qu'à chaque goutte ça continue. Assez bien fait hein. Ah mais genre c'est trop frustrant. Bref, impossible d'avoir les gouttes. Mais oui, je t'avais dit que c'était dur. Peut-être que les gouttes sont un peu trop. Voilà. Attends, si j'attaque, elles sont là ou pas? Non, mais j'ai moins. Où est-ce que tu vas? Là, ça va mourir de saignement là. Ouais. Mais du coup, les goodies.
Les goodies actuellement, on vous a pas oublié. Les commandes sont en cours. On a encore pour l'instant rien reçu des fournisseurs. De toute façon, il y a un mail qui va vous être transmis. Enfin, qui avec la build où on récapitule un peu l'actualité sur les goodies. Donc pour l'instant, c'est toujours en cours de transit, c'est toujours en cours de livraison pour chez nous, pour que nous préparions les colis après vers chez vous. Ouais. Donc pour l'instant, c'est en cours, mais vous inquiétez pas, on vous oublie pas. Alors, on dit ça à chaque fois, mais vraiment, on n'oublie pas. On n'oublie pas, c'est long et on s'en excuse pour le coup, sincèrement. Ouais. Mais on espère pouvoir vous commencer les livraisons. Enfin, on espère pouvoir faire les livraisons avant fin avril, du coup. Enfin, ce sera fait. Enfin, normalement, oui. Dans ce qu'on prévoit, ce sera fait. On vous enverra tout avant fin avril, donc avril, mai, donc début mai, quoi. Quelque chose comme ça. Si possible avant. Voilà, c'est ça. Bien évidemment. On s'excuse pour le retard, bien évidemment. On est très, très triste. Le timer retourne. Hein. Oui, c'est pas grave. Je vais aller faire Dour. Non, c'est Dalag que je. Moi, je veux faire Dour. Bah, on va demander au chat. Vous voulez le voir faire Dour ou Dalag? J'attends une réponse du chat, s'il vous plaît. Répondez-nous et mettez juste un like. Je vais lui montrer que Dour c'est mieux. C'est facile à faire. Ils ont pas encore eu le temps de répondre. Tant pis. Autre chose, on a modifié très légèrement le visuel aussi. Dalag. Hello RKOS GGS. Allez. De toute façon c'est bon, tu peux mourir. Ah bah je wipe. Ouais, wipe. Hello. Hello. Comment vas-tu? RKOS GGS. GGS. Je sais plus ce qu'on était en train de dire avant. On parlait des goodies. Excusez pour l'attente. Ouais. Mais c'est toujours en route. Quoi d'autre? Est-ce qu'on parlerait pas, au cas où, si par exemple, là, la version du jeu que vous voyez actuellement, on la partage uniquement aux personnes qui ont soutenu le jeu sur Ulule. Oui. Tu vois où je veux en venir? Je vois où tu veux en venir. Je m'arrête du coup ou pas? Bah non, parce que c'est ce qu'on va faire. Donc oui. Alors du coup, actuellement, donc, tous ceux qui nous ont soutenus sur Ulule, ont reçu et auront toutes les mises à jour du jeu jusqu'à sa sortie, et ils auront la clé du jeu plus toutes les contreparties qu'il y avait, parce qu'on a fait un Ulule pour ceux qui ne le savent pas, et on l'a réussi. Merci encore à tous ceux qui ont participé. Et du coup, on s'est dit que récemment, tiens, ce serait trop cool de pouvoir vous proposer une sorte de light pledge pour que les personnes puissent précommander le jeu et avoir quand même l'accès. Bien évidemment. Nous, ça nous aide parce que ça finance le jeu. Exactement. Alors, les tarifs seront revus. Pour ça, c'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais du coup, il faudra qu'on rediscute des tarifs. Pour l'instant, de toute façon, on partage pas la page. Ça sera probablement sur Tipeee. C'est en cours, on va dire. On partagera le lien par mail et sur Discord et sur nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Parce que du coup, on communiquera partout, bien évidemment, pour entre guillemets, cette précommande. Mais du coup, ce sera possible d'acquérir la version pour ceux qui ne l'ont pas et qui désirent l'avoir. Et ceux qui ne désirent pas, vous pourrez toujours nous suivre sur les réseaux pour voir toutes les nouveautés qu'on fait. À savoir, une mise à jour toutes les deux semaines sur le jeu. Des mises à jour... Pour l'instant, si vous regardez sur les 6 dernières semaines, on a à chaque fois des mises à jour assez conséquentes. Enfin, conséquentes. Là, on a quand même un nouveau boss, quoi. Reste tranquille, Salara. Et un tic, deux tics. Ouais, parce que chaque roulade, ça rajoute un tic. Bah oui, mais tu mets pas du tien aussi, tu te fais toucher. Mais oui, mais pour moi, je suis pas touché. Pour moi, je suis pas... C'est lui qui me touche. C'est l'arbitre, il fait pas bien les choses. Tu dis la même chose dans Go ou FF? Quand t'es pas dans une AE. Ah, j'étais pas dedans. Oui, oui, je le dis aussi. D'ailleurs, oui, c'est vrai, en parlant d'autres jeux, parce que là, on parle beaucoup de Kingdom Come, mais du coup, comme vous avez dit, tous les vendredis, du coup, on fait des lives. C'est là un peu l'instant promo, là. Tous les vendredis, on fait des lives, mais chose de ouf, Théo, c'est qu'on va refaire encore plus de lives. Ouais, parce que, bon, on a des streamers, on a Richie et Redis dans le lot, donc voilà, on peut leur dire en toute transparence, pour être affilié, il faut plus d'activité. Alors, on a envie d'être affilié, on veut, en fait, on en a marre d'être des devs, on veut devenir des streamers. On veut être des streamers.
on veut vous rejoindre dans cette haute sphère de streaming. Et du coup, bah, on s'est dit, on va devenir affilié. Et pour être affilié, faut streamer plus, on n'est pas assez actif. Mais de toute manière, moi, j'ai envie de streamer avec Uri et Richie. Ah ouais? Ouais, non? Si. Dès que le multijoueur sera... Ah, ouais, mais après, tu sais, je veux dire, tu vois, il y a des vendredis détente. On peut faire du Monster Hunter ou du... Ah bah, Uri, en ce moment, elle tryhard de ouf League of Legends. Alors du coup... Je sais que t'adores ce jeu, en plus. Alors peut-être pas, du coup, avec Uri, dans ce cas-là, putain. Je sais que tu surkiffes. Alors par contre, Richie, lui, il joue à Final Fantasy XIV. Oui, j'ai vu Richie streamer un peu de FF14. Ça peut... Pourquoi pas? Quelle idée débile de... Vous ne valez rien! Ah, les duels sword, elles sont trop bien. Bah non, t'as la fille. Reste tranquille, Salara! Ah, il monte vite, hein, en rap. Non. Je sais pas comment l'attaquer. Bah, tu cliques gauche. Oui, mais... Voyons! Viens par là! T'es cadé! C'est sûr ça! Non mais! Oh mais non mais pourquoi tu roulades? Mais parce que j'ai oublié! Mais non! Mais comment tu fais pour esquiver? Mais tu me prends le coup et tu. Et je meurs, oui bah oui! Oh là là! Marche! Juste marche! Voilà. Mais tu dois pas donner la strat! Mais oui mais parce que je veux que. Tu fais pas d'effort! Mais non mais! Aucun mieux! Non mais regardez là! Où est-ce que tu vas comme ça? Oh là 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 là. Bon, je pense que j'arriverai pas d'Alag tout de suite. J'ai besoin de compagnons pour m'aider. Ok, bah si tu veux, dans la semaine, j'active le multijoueur pour nous deux. D'accord. Et je t'aide. Salut Pika Petit, Trodrigue. Est-ce que Dalag sera le narrateur du multijoueur? Non. pas que je sache. Est-ce qu'on n'a même pas de narrateur en fait prévu? Actuellement, on n'a aucun narrateur, ouais. Alors, mais il y a le 1er avril qui existe, donc qui sait. Au passage, la voix ne sature plus ou c'est moi? Alors la voix sature un peu, mais ça va. C'est ok. On va dire, on l'entend pas trop. Et hello, Pika Petit, tu lui as déjà dit bonjour, mais pas moi. Ouh, ah mais Padge c'est... Padge est déjà dans notre jeu actuellement. C'est lui. Il est actuellement en prison. Du coup j'ai bousillé mon timer, bravo. Ah voilà. Et oui, maintenant il joue le compagnon Braga. Bon j'essaie une dernière fois d'Alag. À la limite, ouais. Vu que on voit pas, tu vois, nos mains, c'est moi qui joue et on dit que c'est toi qui l'as réussi. Ok. Ah, je suis en train de jouer, dis donc. Oh, ah, t'as bien réussi à esquiver ce coup-là, hein. Oh là là, bravo, hein. C'est malaisant. Oh là là. Mais non, mais tu vois, ça c'est un truc qui m'arrive par derrière, ça, monsieur l'arbitre, oui, c'est pas... Vous ne valez rien. Bah alors, Dalai. Franchement, vous n'avez aucune chance. Pas d'effort, aucun effort. Mais t'es gâté, mais prends des potions. Pas besoin de potions. Potions, c'est pour les faibles. Attention, parce qu'au prochain, il a sa rage à 100%. Bah, il a 99%. T'es gâté. Là, je suis dans le caca, alors. Traitement. Je crois que c'est mort. Là, faudra jouer en mode. Mais toutes les zones, parce que tu peux partir en marchant toutes les zones. Oui, mais. Il faut pas non plus que. Enfin, à cause du saignement, faut que tout soit faisable. Viens par là! Non, je trouve qu'il est bien équilibré là. Moi je trouve qu'il est bien là, Dalag. Il touche plus. Oh là là. Tu vas regretter de m'avoir croisé! Allez, Bah voilà, tu vois, Trodrigue, j'aime pas ton perso. Voilà. Ça c'est clair, ça c'est dit. Ah, j'avoue, j'ai jamais joué à Undertale, ça pourrait. Oh, ah ouais, d'accord.
Faut à vérifier. On reviendra vers toi pour confirmer ça, mais pourquoi pas. Ouais, bah, comme j'ai dit, ça peut toujours se faire. Hein. Ça, y a des... Oui. Bon. Voilà. Hein. Je sens que ce sera un peu supportable au fait avec Dalag. Je sens... Ouais, bah non, mais tu vois, j'adore Dalag. Hein. Ça pique, oui. Bon, de toute façon, concrètement sur le jeu, je pense qu'il n'y a plus rien. Voilà, après, non, il n'y a plus rien qui a changé. On peut revoir du coup. Bah, du coup, la cinématique est faite. Le HUD, on ne vous l'a pas représenté. Mais... Alors, du coup, va venir avec ça dans les semaines qui suivent l'inventaire. Oui, l'inventaire. Le reste. Pardon, excusez-moi. Le reste des vies des boss, tout ça, ça va être changé. Ça a déjà changé. Oui, mais tout va être bien fait. Enfin, modifié pour tous, du coup. Waouh! Waouh! Non, mais vas-y, t'as qu'à dire aussi qu'on travaille, c'est de la merde! Non, pas du tout, pas du tout. Donc là, on voit par exemple potion restant qui est tiens. Pardon, qui reste là depuis un moment. Mais ça, c'est... en fait, on change pas parce qu'on sait que ça va être changé. Du coup. Ça va. Ça restera pas ça! C'est pour ça! On sait très bien qu'on a fait une faute, mais on l'assume! Tout à fait, c'est pour ça qu'on change pas. Mais ça va être changé et tout l'inventaire qu'on voit ici, tout ça va être changé, ça va être bien remis, tout ça. Ouais, notre inventaire est dégueulasse et là on va le changer. Exactement. Je pense que là tu peux arrêter tout ça. Expérience, très bien. Alors, je voulais juste vérifier rapidement. Je n'ai pas pu le vérifier. Non, je ne vérifie pas. D'accord. S'il te plaît. Il arrive dans le point 1. Ah, ok. j'ai compris. Ok. Ça va être comme. C'était lui. Hein. Ça va être comme Netflix. Mais du coup, qu'est-ce qui est prévu maintenant dans le futur ? Alors, ce qui est prévu du coup dans le futur, comme on vous l'a dit déjà à maintes reprises, c'est du coup le multijoueur qui arrive avec à grands pas. Ça va nous prendre un certain temps pour que on se soit correct, que ce soit bien stable, parce qu'on voudrait que ce soit quand même le plus stable possible, hein, avant fin mars, bien évidemment. Donc ça en fait va nous demander beaucoup de travail à la fois à Théo et à la fois à moi. Mais plus à Théo que moi. Mais du coup, voilà, moi j'ai autre chose à faire dessus pour les multi. Donc ça va nous demander beaucoup de boulot et ce qui va en fait faire que les mises à jour qu'on va faire jusqu'à fin mars, donc comme on l'a dit tout à l'heure, sera un peu moins poussé que ce qu'on vous a proposé là sur les premières mises à jour qu'on avait faites au début de l'année. Mais voilà, rien n'empêche qu'on va quand même vous proposer différentes choses. Donc à chaque fois, toutes les deux semaines, on va vous proposer des nouveaux challenges. Ça restera actif. Qu'est-ce qu'on va proposer d'autre ? Les compétences. Les compétences, bien évidemment. Donc le multijoueur viendra avec du coup des différentes personnes et du coup il faut pouvoir se différencier. Et du coup, ce qui implique du coup des classes et notamment du coup des compétences. Et du coup, on aura donc des compétences qui vont être mises en place. Pour les joueurs, donc on a prévu combien 1-2 avec les clics et 3-4 avec les compétences spéciales. Ouais, on est donc sur 6-7 ouais, compétences uniques. Voilà, par classe. Sachant qu'il y a 4 classes. On vous en a déjà parlé un peu à l'époque, mais voilà, on a du coup du DPS, du tank et du heal, globalement. Ouais. À terme, du coup, ces classes auront en fait aussi des. Oh non, là je rentre un peu dans les détails, vous verrez. Oui, de toute façon, en tout cas, sur les deux prochaines semaines, ce qu'on peut clairement vous dire, c'est les compétences, avec du coup les classes qui se différencient vraiment les unes des autres. Mm-hmm. moi, comme je vous l'ai dit, en fait, il y aura beaucoup de boulot que vous ne verrez pas. Que je vais faire, mais qui ne sera pas présent sur la mise à jour, sur la prochaine mise à jour. Et finalement, bah, Théo aussi, hein, toi tu vas faire beaucoup de choses, mais qui vont pas être forcément très présents. Bah, les compétences, on va pouvoir les mettre. Oui, notamment sur la lance, vous aurez déjà la lance et peut-être les dual sword, je pense. Ouais. Et voilà, du coup, c'est plus ou moins tout. Du coup, pensez aussi qu'on va faire du coup d'autres lives en plus.
Très certainement le mardi. Mardi soir. Et je, et je pense que du coup tu vas pouvoir commencer toi déjà le premier mardi là. C'est, tu voulais faire. Ouais, moi je vais certainement faire du coup. Je sais pas encore ce sera mardi, mais on vous suivez-nous sur Discord, on fera les annonces. Mais du coup, là au début de semaine prochaine, il y a un live où je vais faire du coup un live coding. Je vais développer en live sur ouais. Kingdom of Rare. Du coup, si jamais ça vous intéresse un tout petit peu et que vous avez envie de papoter, je sais pas si tu seras là à voir. Écoute, pourquoi pas. Hein. Moi, ça me. Ouais, bah, regarder développer, ça va pas être non plus le truc. Ouais, moi je vais pas faire grand chose. Du coup. Oui, voilà. Non, bah du coup, bon, ce sera certainement que moi, mais ouais, Léo sera certainement présent dans le chat. Et dans le chat, oui. Dans le cœur, avant tout. Mais voilà, après, voilà, vendredi, on pourrait refaire un autre live. Un autre live de jeu. À savoir que on aime beaucoup Final Fantasy TCG. Le jeu de cartes Final Fantasy. On vous a dit la dernière fois, c'était soit Little Hope, soit Final Fantasy TCG. Little Hope n'avait pas fonctionné. Il faudrait qu'on soit ensemble pour le faire. Donc ce n'est que partie remise. Ouais. Mais voilà, on va décider ce qui nous tente le plus, soit partie de cartes Final Fantasy ou bien. Hellpoint, le retour. Alors, ou bien Little Hope, du coup, c'est bien Little Hope. Hein. Voilà, voilà. Et du coup, bon, voilà, du coup, deux lives par semaine, on va faire ça, tranquillement. Oui. Et puis, bon, voilà, quitte à peut-être éventuellement aussi streamer avec nos streamers favoris, hein. Je cite personne, Ri, Baines, Richie, Lama, tout ça, petit bouchon, bon, je pense que... Ces horaires sont un peu plus compliqués, ouais. Mais voilà, on fera ça et du coup, on vous tiendra forcément au courant au mieux qu'on peut sur. Enfin, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux et sur Discord, notamment sur Discord. Discord, c'est où on est plus actif. Et du coup, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions ou autre chose, hein, même des retours, à nous le faire savoir sur le Discord. Encore une fois, c'est là où on est le plus actif et on vous répondra à bras ouverts et le plus rapidement possible. Voilà, voilà, je pense qu'on est plutôt bon. Est-ce que ouais. Tu as quelque chose à ajouter? Bah, on vous aime. On vous aime tous. Et si jamais, là, on a fini hein, la présentation. Oui. On a parlé du coup des goodies et de la nouvelle mise à jour, donc on a plus ou moins tout dit. On est de plus en plus efficace, hein, 20h47. C'est ça, hein, on va commencer des lives avec d'autres personnes en même temps. Ouais. On va inviter des guests la prochaine fois. Carrément. Oh, oh bah Zermes, tu arrives à la fin. Mon... Zermes, tu arrives à la fin. Mon mais ça fait trop plaisir de te voir. Mais c'est grave. Tu regardes tes mails, tu vas voir la dernière version. Et elle déboîte. Et elle déboîte. Mais si vous avez des questions, on peut rester encore 5-10 minutes pour parler avec vous. Tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, si jamais il n'y a rien, on vous abandonne. Voilà. Du coup, voilà, là, le premier score à battre. Alors, bien évidemment, Théo ne sera pas sacré champion. Il est déjà dev, ça suffit. Mais voilà, essayez de battre 107 secondes, c'est ça? Si vous arrivez à battre 107 secondes, je sais pas ce qu'on vous fait, mais on le fait bien. Vous êtes combien dans l'équipe en ce moment? Alors, sur la prod elle-même, on est toi, moi et deux stagiaires. Ouais, on est 4 personnes. Il y a deux alternants et toi et moi en temps plein. C'est ça. Mais bon, les stagiaires se débrouillent très bien et on est très contents de leur travail. Ouais, on le dit peut-être pas assez souvent. On peut les créditer un peu. Hein, Bah, y a Myriam de l'école Isart. Alias Mimi. Alias Mimi et Vadim de l'école Isart, toujours. Wow. Alias Vadim. Alias Papa. Alias Papa. Tous les deux. C'est ça. Ils sont très doués, ça marche très bien avec eux. On est très contents de. Du coup, c'est possible que vous en entendiez parler un peu plus dans les semaines à venir de ces deux petits lutins. Puis qui sait, peut-être qu'un jour vous allez même les entendre réellement. Ouais, et on fout peut-être même les voir, qui sait. On les a pas vus, je te rappelle. Pouah, ce serait fou, on les verrait tous en même temps. pourquoi pas. Voilà, du coup, bah voilà, sur la prod, question, c'est on est quatre. On est quatre, ouais.
Ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup, ouais. Et deux à temps plein. Mm. On est des monstres. On travaille. On travaille. Disons. Disons que voilà, on s'acharne. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien Il sûr. Il reste 10 minutes questions-réponses et après. On reste là, vous êtes des monstres, oui. Oh, c'est gentil, Harry, merci. Non, voilà, après. Après coup, voilà, on est. Sinon, voilà, on est toujours à pleine image. Pour l'actualité autre que Kingdom of Rea. Toujours en incubation. On est toujours en incubation, ça se passe très bien. Les groupes avec lesquels on est, on en avait parlé un moment, mais les groupes avec lesquels on est, sont très sympas aussi et ils travaillent très bien. Ouais. Ils ont de très beaux projets. Encore une fois, on vous a dit que si on a des retours sur leur jeu, on vous les présentera avec grand plaisir. Ouais, il faudrait, si possible, qu'on fasse un petit call avec eux. Alors, on a une deadline pour la création des persos et doublage. Alors, pour l'instant, on est gentil, non. Mais le jour où on en aura réellement besoin, et où ça va être urgent, on va vous le dire. Officiellement, il n'y a pas de deadline, ouais. Après, voilà, si vous nous faites tout là dans la semaine... nous on s'arrange pour que l'enregistrement se fasse le plus vite. Ouais, c'est ça. Plus vite on a les lignes de tout le monde, plus vite on peut du coup voilà, faire la demande pour louer, entre guillemets, enfin avoir la salle. Les studios, et ouais. Du coup. Voilà, donc voilà. Plus vite vous travaillez, plus vite on va y arriver. Mais il y a un moment où si ça vient pas, bah bon, sauf si vous avez des problèmes, hein, c'est possible aussi. Nous on vous proposera des phrases à votre place. Mais voilà, pour l'instant, pas de deadline, c'est assez chill. C'est chill, prenez le temps qu'il vous faut, et si jamais vous n'avez pas d'inspi, n'hésitez pas à nous contacter. On vous voilà, verra avec ça, grand ouais. plaisir. Je me dis en amateur. Alors, en amateur. En doublage, pour l'instant, non. Non, pour le doublage, là, sur les niveaux, on est calé. Hein. Non, ouais, jusqu'au troisième donjon, là, on est assez calé. Hein. Non, on a ouais. tous les doubleurs qu'il faut. Puis maintenant, de plus en plus, là pour le coup, on a des doubleurs qui sont amateurs parce qu'ils nous ont aidés au Ulule. Et sinon, le reste du casting, c'est quand même des. Vincent Rodrigue, avec grand plaisir. Il y a de très fortes chances qu'on te. Ouais. Je t'en avais déjà parlé en plus à un moment donné. Mais avec grand plaisir. Enfin, il y aura. Je vais m'en sortir. Il y aura de fortes chances que tu sois là sur le... Alors peut-être pas sur le prochain donjon, faudrait que je revoie la liste du casting, mais au moins dans le village. De toute façon, là, pour Dalag, si on peut lui mettre des nouvelles voix avec des nouvelles compétences. Dis-moi là, Nio. Dis-moi. Mais peut-être qu'avec les nouvelles voix, les nouvelles animations de Dalag, on peut peut-être refaire 2-3 trucs. Éventuellement, ouais. Il faudrait revoir, alors du coup ça va être retravaillé. Alors je crois que tu en avais quand même fait déjà pas mal, mais... Si tu sens que tu veux refaire un enregistrement de meilleure qualité, enfin enregistré d'une meilleure qualité, il n'y a pas de problème, ça peut être cool. Et le Rototo, alors, ouais. Alors le Rototo, punaise, ça en fait, tu vois, genre, je pense que ça va être mis, mais de telle sorte qu'en fait, il est perceptible qu'à un certain moment de la journée, tu vois, et si tu lui as parlé genre 5 ou 6 fois, tu vois. Ce serait trop drôle que ce soit vraiment une conséquence, ouais, un c'est événement ça, ouais. genre tellement dur à avoir, et que ça donne limite un succès, en fait. Ouais, ouais, entendre la ça. Femme roter. Ouais, c'est ça, ouais. Vous l'avez fait roter. Ah, mais parce que, en fait, parmi les personnes qui ont contribué au Ulule, il y avait certains packs qui étaient un peu plus, financièrement parlant, un peu plus lourds, et qui offraient la possibilité de faire du coup du doublage et des objets. Et en fait, actuellement, les 5 personnes qui ont accès à ça, qui ont du coup, qui 5, sont 6. En train de créer, ouais, 6, pardon, qui sont en train de créer leur personnage avec nous et leur quête, ils veulent tous donner des objets en jeu. Personne n'a pensé réellement à des succès. Ça pourrait être cool d'avoir des succès. Parce qu'on n'a jamais proposé les succès. C'est vrai, mais au lieu d'avoir un item, on peut très bien dire, bon bah voilà, c'est... À la limite, ouais. Oui, mais ça faudrait leur dire du coup. Si c'est vous... vrai que là j'y pense actuellement comme ça, mais... Si vous n'avez pas d'objet, on peut se faire un objet à la place. Salut Rodrigue, merci d'être passé, en tout cas c'était très sympa.
Super, merci beaucoup. Et bah écoutez, de toute manière, on va pas non plus trop tarder. Oui, c'est vrai, on arrive sur la fin, là. Il est déjà 20h54. Oui, et vous savez quel soir nous sommes ce soir ? Je prends ça pour un nom, du coup. Bah moi je le sais, vu que tu m'as invité, mais on est le nouvel an chinois, et cette année, c'est l'année du buffle. Alors à tous les buffles, le nouvel an lunaire exact. Uri, elle est dans ma tête. Bah c'est parce qu'elle joue à LOL. Ah oui. Sur LOL, il y a eu plein de promotions avec des skins. Et bah du coup, tous les buffles, bonne année. Je t'inquiète, Uri. Bonne année. Bonne année à tous les buffles. Faites attention. Tes buffles Du bœuf. Bœuf ou buffle, c'est la même chose, non? Je sais pas. Tes buffles. Gros blanc. Non, moi, je suis cochon de bois. Et tu t'es offert un cadeau pour la nouvelle année du buffle? Oui, je veux m'acheter Hadès. Je pensais que t'étais buffle quand tu m'as dit ça. Oh, c'est la nouvelle année du buffle, du coup, je me suis fait un cadeau. Je me suis dit, bah, c'est parce que c'est toi. Non, moi j'aime bien les nouvel an lunaire, du coup, genre. Ouais, je m'offre des cadeaux. Personne m'offre d'enveloppe rouge, alors on m'offre un cadeau. Mais oui, je suis. Mais merci, mais genre. Je suis cochon de bois. Je crois que c'est le pire truc possible. On en avait parlé une fois, il me semble. Le cochon de bois. Je suis cochon de bois. Ce qui est stylé, c'est de feu. Genre un rat de feu. Bah tu vois, genre par exemple dragon de métal, ça casse du cul quand même, tu vois. Ouais, dans le... Coque de feu ici, tu vois, genre coque de feu, c'est cool. Là, moi je sais pas, comment on fait pour savoir? Ok, bon, le live va durer peut-être un tout petit peu plus. Moi je veux savoir, je suis quoi? Alors, tu es né en quelle année? Non mais non, je peux pas dire ça en live, ils vont se foutre de ma gueule. Je suis cochon de bois, tu veux. Excuse-moi. Je suis né en 1996. Ah, 1996. Tu es un rat, du coup? Ok. C'est con. Oh, bah, je suis un rat de feu. 85, toi, tu es de. Attends. Pourquoi ça. 96, c'est ça? Ouais. Ouais, si, je suis un rat de feu. Ah, ouais. Bah punaise. Bah, rat de feu, c'est stylé. Rat de feu. Genou, ouais. T'as vu ça? C'est vrai, c'est vrai. Je suis jeune. Je sais pas comment terminer ma phrase. Voilà. Je suis jeune. Je suis jeune. Par l'âge, mais je suis vieux par l'esprit. Alors généralement, c'est l'inverse qu'on fait, mais ouais. Ah ouais? Oui, bah tu dis que je suis vieux, mais je suis jeune dans la tête. Ah merde. Toi, du coup, tu t'énigres tous les vieux qui veulent se sentir jeunes. Ouais, parce que moi, je me sens vieux, tu vois. Je me couche à 22h. Oui, là, il est tard, là. Ah ouais, il va falloir se coucher, hein. Mais ouais. Mais à contrepartie, je me lève tôt, tu vois. Oui, c'est vrai. L'avenir est réservé aux gens qui se couchent tard. Comme ça, on peut travailler plus longtemps. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à suivre tes lives. Allez, papy. Allez, papy, au dodo. Mais je peux pas suivre tes lives, la compote. Le respect, il est mort. Mais Yuri, tu live beaucoup trop tard. À chaque fois que je vois la notification, je me dis, vas-y, je la regarde. Et je commence à fatiguer dans mon lit. Je me dis, bon, bah, je lui envoie un message en mode, allez, je vais me coucher, hein, bonne nuit. Tu veux pas live à 6h du matin pour les gens comme moi? Oh là là, non. Please, no. Mais c'est trop bien de se lever à 6h du matin. L'air, il est frais, il n'y a pas de bruit. On parle pour toi. J'ai une voisine qui se réveille à 5h du matin, du coup. Ouais, à 6h, j'ai du bruit, ouais. Non, Uri, mets un goal. Uri a pas dormi. Voilà, c'est vrai, à 1h du matin, il n'y a pas de bruit non plus. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais il fait nuit. Bah c'est bien. Bah non. C'est encore plus chill, parce qu'il fait noir. Bon, le débat est ouvert. Nous allons faire la team nuit et la team matin. Enfin, soir et... Soir et matin, et on va lancer un sondage sur le Discord, et voilà. Oui, Ori, tu marques un point. À 6h du mat, il fait nuit, c'est vrai. Ok, j'ai compris, tout le monde est tort avec moi, de toute façon, c'est pas grave. Je suis mal aimé, c'est pas grave. En tout cas, je supprime Dalag. Voilà, vous vouliez Dalag? Bah tant pis. Voilà. Comme ça, je serai le seul champion. En tant que rat de feu, j'ai tous les pouvoirs. Mais rat de feu, ça brûle le cochon de bois, finalement. Bah, enfin... C'est un peu nul, du coup. Bah non, mais je te... Moi, je suis nul. Mais non, mais moi, il y a personne qui peut me battre, en fait. Enfin, tu veux dire que tout le monde peut te battre? Sauf le radeau.
parce que je flotte du coup sur le radeau. C'est un radeau. J'ai compris. Allez. C'est bon. Uri, elle va m'appeler papy, ça y est. Non, t'inquiète pas, papy. En plus, je commence à fatiguer. Hein. Appeler le papy. Voilà. Bon. Dans tous les cas, il est 23h. On vous souhaite tous une. Il est 21h. Il est 21h. 23h, voilà. Je pourrais pas, moi. J'avais pas mes lunettes. C'est moi le papy maintenant. C'est ok. Bon, merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce live, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Ouais, voilà, c'est bon, c'est moi papy maintenant. Allez. On va aller se coucher. Merci beaucoup Zolrak. Merci beaucoup Zolrak, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, ouais. Et ben en tout cas, profitez de bien cette soirée avec vos copains, vos copines ou autres, ou vos amis. Bonne nuit. Et puis bonne nuit du coup. Ouais, bonne nuit, faites de beaux rêves et lavez-vous les mains. Et lavez-vous les mains surtout avec le Covid, il faut se laver les mains. C'est la Covid. C'est vrai, c'est la Covid. Allez. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Je suis un rat de feu. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.